Bonjour. Bonjour. Le Festival du Livre de Colmar et la librairie RUC sont très heureux d'accueillir Jamy, notre Jamy national, qui nous présente aujourd'hui son dernier ouvrage, ses deux derniers ouvrages, Tu l'as dit, Jamy, et Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Alors, grâce à vos émissions, Jamy, c'est pas sorcier, que tout le monde connaît, enfin tout le monde, toute la France du moins, que vous avez présenté pendant une vingtaine d'années et avec le monde de Jamy qui passe assez régulièrement à la télé. Lundi dernier, justement, vous étiez à l'antenne. Vous êtes parvenu à donner du goût à la science à pas mal de générations. Quel est votre secret? Est-ce que vous êtes scientifique au départ? C'est peut-être parce que je ne suis pas scientifique. Et en fait, non, je ne suis pas scientifique. Le secret, c'est difficile parce que je n'ai jamais essayé d'établir une recette, de me dire, ben voilà, je vais parler de science comme ceci. La première chose, c'est d'aimer ce que l'on fait. Je suis tombé dans la science un petit peu par hasard, mais en faisant mon métier de journaliste, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux manières d'approcher la science. Il y a la science qui est utilisée par le scientifique, qui est un outil. Et puis, il y a la science qui fait partie de notre patrimoine culturel, une donnée culturelle. Et moi, mon boulot, c'est d'être un passeur, de transmettre ces données, ces éléments de notre patrimoine culturel. J'envisage la science, moi, comme un élément de notre culture générale, au même titre que nous acquérons avec le temps des connaissances autour d'autres disciplines artistiques, que ce soit la peinture, la sculpture, le théâtre, la littérature. Eh bien, je considère que la science fait partie de notre culture générale. Et donc, quand je parle de science, quand je raconte la science, eh bien, je l'envisage de cette manière, de cette manière. Pas pour vous divulguer telle ou telle formule, telle ou telle équation, mais pour permettre au public de conceptualiser certains phénomènes scientifiques. C'est peut-être pour cette raison que vous avez décidé d'utiliser votre plume, justement pour écrire ces deux livres, de passer de la télévision à la plume. Il y a une grosse différence. Ah, il y a une énorme différence. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire. Bon, moi, je suis journaliste à la base. J'ai commencé en écrivant, j'ai commencé en travaillant pour la presse écrite, pour la radio. Je suis arrivé à la télévision un petit peu par hasard, d'abord comme JRI, journaliste reporter d'images. Et puis, à un moment donné, je travaillais avec Fred, on a créé ce concept de C'est pas sorcier. Avec une écriture, parce que quand on parle de télévision, il y a, même si c'est de l'image, il y a aussi de l'écriture. Quand on fait un monde de Jamy, le monde de Jamy, c'est un document qui fait 120 pages écrites. C'est pas sorcier, c'était 30 pages écrites. Ce ne sont pas que des idées en l'air, tout est écrit, mais c'est une écriture différente. Il me manquait malgré tout quelque chose à travers cette écriture. J'avais besoin d'un peu plus et j'avais besoin d'une écriture destinée à être lue. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce premier livre, Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques, qui est une forme d'écriture. Et puis ensuite, Tu l'as dit, Jamy, qui là est plus un livre illustré, une bande dessinée, qui est une autre forme d'écriture. Donc vous voyez qu'à travers ces ouvrages, à travers les émissions dont je vous ai parlé, il y a différentes formes d'écriture. Mais j'avais besoin, surtout avec le premier bouquin, j'avais besoin des mots pour m'arrêter sur certaines choses que l'image
ne me permettait pas d'atteindre. Les mots nous permettent de nous arrêter sur quelque chose. On a l'impression que l'image dit tout. Mais l'image passe vite. À la télévision, c'est 25 images par seconde. Ça passe très vite. On ne peut pas s'arrêter. Les mots permettent, eux, de prendre le temps d'imaginer. Choisir ces mots, c'est créer la bonne image. Voilà. Donc, et créer une image telle qu'on la ressent. Quand je fais un monde de Jamy ou quand je faisais C'est pas sorcier, c'est pas moi qui étais derrière la caméra. Donc, je ne pouvais pas dire exactement avec mon œil. Alors que là, je peux dire avec mes mots exactement ce que je ressens à travers la science. Et puis j'avais, enfin vous l'avez sûrement remarqué, C'est pas sorcier, c'était une émission plutôt encyclopédique, une sorte d'abécédaire. On prend un thème et puis on déroule le fil. Avec ces deux bouquins, c'est beaucoup plus personnel. C'est mon rapport à la science. Comment j'ai découvert certains sites, comment ces sites sont liés au prisme de la science. Et j'avais besoin des mots pour dire tout ça. Oui, c'est aussi quand on lit justement mon tour de France, on a vraiment l'impression en fait de vous suivre sur ces fameux chemins que vous avez sans doute fréquentés, que vous avez. Ah, je les ai fréquentés. Ce ne sont que des sites que j'avais découverts en faisant mon métier et j'y suis quasiment retourné. Surtout pour écrire ce livre. Donc c'est vraiment, on va dire, un ressenti profond de toutes vos émotions en fait que vous avez vécues à ces endroits, y compris d'un point de vue scientifique, parce que vous faites quand même vous donnez quand même certaines explications. Absolument, il y a un peu de pédagogie. Mais ce que je voulais réussir à faire, je suis un petit peu confus là, parce que depuis ce matin, je signe, j'échange peut-être avec certains d'entre vous. Donc, c'est pas simple de trouver les mots justes, de se dire, mais attends, je l'ai déjà dit ça tout à l'heure. Bon, c'est un peu compliqué. Ce que je voulais faire à travers ce bouquin, c'était aussi montrer que la science, ce n'est pas qu'une histoire de formules ou d'équations. Il y a beaucoup d'émotions. La science, ça commence par de l'observation, par de la séduction. On découvre un site spectaculaire, un lieu où s'est déroulée une première mondiale, une découverte. Et il y a d'abord de l'émotion. C'est la première chose. Et c'est cette émotion qui va générer le questionnement et qui va nous faire aller vers l'explication, vers la science, vers la pédagogie. Mais tout ceci est intimement lié. Et la science, l'histoire des sciences, le contexte dans lequel se déroulent certaines découvertes, tout cela est vraiment intimement lié. Et c'est ce que je voulais faire ressentir au lecteur, replonger le lecteur dans des contextes historiques. Quand je raconte l'histoire des montgolfières, des frères montgolfiers. Mon histoire, elle démarre à bord d'un avion où je suis assis à côté d'un hublot et l'avion décolle et je regarde le plancher des vaches s'éloigner. Là, on découvre que notre terre ressemble un peu à une nappe à carreaux. C'est devenu une vision, même si on ne prend pas tous les jours l'avion, on l'a vu à travers des films, c'est quelque chose que l'on conçoit assez facilement aujourd'hui, qui fait partie de notre univers. Mais je voulais me mettre à la place des premiers hommes qui avaient pris place à bord d'une nacelle et qui avaient vu ce spectacle pour la première fois et qui avaient eu envie de le décrire. Nous, le décrire aujourd'hui, moi, le décrire, c'est très simple puisque ces images, on les a tous vues. Mais ceux qui découvrent pour la première fois, raconter tout cela à leurs contemporains. Là, c'est une autre histoire. Parce qu'il faut justement trouver les bons mots pour que celui qui n'a pas vécu, eh bien, conçoive l'image dans sa tête. Et c'est là où le mot est quelque chose d'extraordinaire, parce que le mot devient un outil pour fabriquer des images virtuelles. Le mot est le premier outil qui nous sert à fabriquer des images virtuelles, des images qu'on se fabrique nous-mêmes dans notre tête.
Moi, c'est justement un petit peu quand vous regardez les précurseurs en fait, de la science, hein, comme Jules Verne qui a inventé des histoires pour monter dans la Lune. Et il s'est avéré que par après, on a remarqué que certaines de ces théories étaient exactes. Mais il fallait d'abord... L'imaginer. L'imaginaire. Et justement, pendant une journée, quand vous nous présentez le livre « Tu l'as dit, Jamy », ça se passe sur une journée d'aventure. Ça commence par la lecture justement du journal avec une éclipse de lune. Et ensuite, c'est une journée qui est bien remplie finalement. C'est une aventure. Alors l'autre livre, tu l'as dit, Jamy, qui est une bande dessinée, un livre illustré, appelez-le comme vous voulez. Là, c'est vraiment... une aventure, ça démarre un matin, mon personnage, c'est mon personnage, hein, il n'a pas la barbe, mais parce que c'était plus facile à dessiner. Mais c'est pas moi qui ai dessiné, hein, c'est Leslie Play, les amateurs de bande dessinée connaissent très bien Leslie Play, elle a un talent fou, je pourrais vous en parler un peu plus après, mais voilà, là c'est une vraie aventure qui démarre un matin, je me lève et j'ouvre le journal et je découvre que le soir même, il va y avoir une super lune de sang. Alors c'est un phénomène assez rare et donc je décide d'aller observer ce phénomène sur un point qui est un lieu qui était un peu imaginaire et donc je vais partir avec mon animal de compagnie, qui est un peu étrange puisqu'il s'agit d'un poulpe. Voilà. Mais bon, comme c'est une bande dessinée, on peut tout se permettre. On peut tellement tout se permettre que ce personnage vit à l'air libre. Voilà. Donc, et en plus, il parle. D'accord. Il me le fait remarquer d'ailleurs dans le bouquin. Voilà. Et donc, je vais partir avec ce personnage et avant d'atteindre ce point sur lequel je vais pouvoir observer cette super lune de sang, eh bien, il va se passer tout un tas de choses. Il va y avoir des péripéties dont on va se sortir, mon poulpe et moi, grâce un petit peu à la science. Mais enfin, toute cette aventure permet de naviguer entre la géologie, l'astronomie, la biologie, la botanique. Mais c'est une vraie histoire, c'est une vraie aventure. Encore une fois, ce n'est pas un abécédaire où je vais vous expliquer A comme astronomie, L comme lune. Non, pas du tout. C'est vraiment une aventure où eh bien, je navigue à travers une foule de sujets scientifiques, mais qu'on aborde comme ça au fil de l'histoire. Voilà. Alors, je ne parle pas de tout. C'est bien parce que ça me permettra peut-être de faire un autre tome. Voilà, mais c'est une aventure à travers le prisme de la science. Oui, on a vraiment l'impression que vous vous plongez en fait systématiquement dans les choses banales. Parce que c'est vraiment des choses banales. Hein, beaucoup de quotidiens. C'est assez surprenant au début. Je me suis dit, tiens, on parle du réfrigérateur. Absolument. Comment ça fonctionne un réfrigérateur? Voilà. Et on se demande comment on peut arriver. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, non. Mais effectivement, j'explique dans ce bouquin comment fonctionne le réfrigérateur, dans lequel j'ai oublié mon poulpe, d'ailleurs. C'est, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est toujours des petites histoires comme ça, mais tout se suit. Tout se suit, s'enchaîne. Il y a un moment où on s'arrête parce qu'on est sur la route et on passe on est dans la campagne et il y a un panneau, ligne de partage des eaux. Paf, on s'arrête parce que c'est quand même. C'est toujours. Quand j'étais môme, alors pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je parle de la ligne de partage des eaux? Parce que quand j'avais l'âge des enfants là, qui sont assis devant nous, quand je partais en vacances avec mes parents, dès qu'on voyait, mon père adorait cet endroit, donc dès qu'on voyait un panneau avec ligne de partage des eaux, on s'arrêtait, on faisait une photo. Voilà. Et donc, voilà. Et je crois qu'au début, mon père ne comprenait pas. Mais c'est quoi cette ligne de partage des eaux? On la voit partout. Je me suis souvenu de ce moment. Et donc, on fait une photo. Mon poulpe part se balader. Et il fait pas attention. Il y a un trou et il tombe dans une crevasse. Il se retrouve dans une grotte avec des stalactites, des stalagmites, ce qui me permet de raconter cette histoire. Et puis, on va réussir à remonter à la surface. Enfin, voilà. Il se passe plein de choses. Mais oui, justement, quand, euh,
quand on se poursuit comme ça le livre, on a l'impression en fait que c'est une invitation aussi à nous de pouvoir chausser des lunettes de curiosité. Parce que c'est vrai qu'on a toutes ces choses autour de nous, hein, on les utilise d'une manière assez banale tous les jours, mais on ne sait pas du tout comment que ça fonctionne, et comment fonctionne l'astronomie, tout et n'importe quoi. Et on a vraiment l'impression que c'est une invitation. Et justement, par rapport à ces questions que vous vous posez à l'intérieur de ce livre, moi, il y a une question qui m'a étonnée, puisque je me la suis posée moi-même. Est-ce que les poissons éprouvent la soif ? Voilà. C'est assez surprenant, ça, quand même. Eh oui. Eh oui. Mais effectivement, c'est une... Donc, vous voyez, on passe du réfrigérateur au stalactite, stalagmite, d'autres formes de concrétion, la lune de sang, j'en passe, et puis les poissons. Voilà. Est-ce qu'ils ont soif ? Eh bien, oui. Les poissons boivent. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les poissons d'eau douce et les poissons d'eau de mer... ne boivent pas de la même manière. Et c'est ce qui me permet d'approcher un phénomène à travers cette petite histoire qui s'appelle la pression osmotique, ce phénomène qui illustre l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré dans une solution. Quand vous avez deux solutions, l'eau se déplace toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour chercher l'équilibre. Et donc, les poissons vont utiliser ce phénomène de la pression osmotique pour s'hydrater. Voilà. Et justement, dans vos aventures, est-ce que vous avez un domaine scientifique de prédilection ? Vous avez une préférence ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas scientifique. Donc, j'ai découvert, à chaque fois qu'on faisait une émission avec C'est pas sorcier, j'avais l'impression de découvrir. Hein. Et c'est merveilleux, d'ailleurs, parce que n'ayant aucune culture scientifique, eh bien, je revivais finalement tout ce que nos grands découvreurs ont vécu, une espèce de déplacement de personnalité. Et donc, je m'émerveillais à chaque fois, à chaque sujet, et toujours aujourd'hui, quand je travaille sur un sujet, je m'émerveille toujours. Apprendre, pour moi, c'est toujours quelque chose c'est jouissif, c'est quelque chose de merveilleux, et voilà, de comprendre l'envers du décor. Contrairement à ce que certains prétendent, ça n'enlève pas du tout la poésie du monde. Bien au contraire, c'est j'ai l'impression d'être dans l'envers du décor, dans les coulisses, et de profiter encore plus du monde dans lequel je vis. Alors effectivement, avec les années, je suis devenu plus sensible à certains sujets, et en particulier la volcanologie. Voilà. Donc, je l'aborde un petit peu dans mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Pas trop, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet, une discipline qui me passionne, voilà, à tel point que... Je passe mes vacances sur les volcans. Voilà. Ah oui. Et si possible, en éruption. En éruption, oui, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et est-ce que vous avez, justement, quand on voit vos livres et quand on regarde vos émissions, est-ce que vous avez servi de cobaye déjà ? Et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué ? En bien ou en mal ? Alors... on ne sert pas de cobaye. On vit des choses spectaculaires, mais on ne le fait jamais gratuitement. On le fait pour montrer quelque chose. Et quand on le fait, c'est toujours parfaitement bien encadré. On n'est pas des casse-cou. Moi, je déteste, vous ne me verrez jamais aller faire du saut à l'élastique. En revanche...
Oui, j'ai sauté en parachute. J'ai fait des tas d'autres choses. J'ai grimpé dans des arbres, dans des eucalyptus, dans un eucalyptus qui mesurait 112 mètres de hauteur. Je suis allé effectivement sur des volcans en levant les yeux pour voir où les galettes de lave tombaient pour passer à côté. Oui, j'ai fait des choses comme ça. Oui, je suis descendu dans des glaciers, mais à chaque fois encadré par des scientifiques qui ne prenaient pas de risques, puisque l'objectif n'est pas de prendre un risque, l'objectif est de montrer. Et pour montrer, eh bien, on n'a pas envie de prendre de risques. On essaie de faire les choses dans les conditions dans des conditions de sécurité maximum. Voilà. Je ne cherche pas, à ce moment-là, nous ne cherchons pas la sensation forte. La sensation forte, pour nous, elle n'est pas dans l'exploit physique. La sensation forte, elle est dans la compréhension du phénomène que nous sommes en train de décrire. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi, la première personne du pluriel, c'est simplement l'équipe. Parce que, évidemment, quand on me voit, il y a avec moi un ingénieur du son, un ou deux caméramans. Voilà. C'est vrai que lorsqu'on voit la dernière émission qui est passée justement lundi soir sur le phénomène des tempêtes, on voit souvent des gens qui se mettent aux abords des sites assez dangereux ou alors qui poursuivent justement des orages, qui se disent ben, comme quoi ils veulent être grisés en fait par ces phénomènes. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce qu'on ne s'improvise pas justement Ce que je leur dis, c'est que effectivement, ces phénomènes sont extrêmement dangereux. On a toujours l'impression qu'on est plus fort que la nature. C'est totalement faux. La nature est plus forte. Et si on veut s'approcher, on peut le faire. Mais il va falloir le faire avec des experts, avec des spécialistes. Quand je suis parti chasser les tornades l'année dernière aux États-Unis, on a chassé la tornade, on a essayé de s'approcher au plus près, mais avec des personnes qui chassent les tornades depuis 20 ans et qui savent lire les phénomènes, jusqu'où il ne faut pas aller, dire stop à un moment. Et c'est comme ça qu'on est en confiance. Et encore une fois, quand je chasse la tornade ou je chasse les orages, mon objectif, moi, n'est pas de m'approcher de l'endroit le plus dangereux. Mon objectif est de voir pour comprendre. Vous voyez, c'est totalement différent. Et donc, on ne va pas prendre un risque inconsidéré pour raconter aux autres « Ah, je me suis approché à 200 mètres de la tornade. » Non, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de m'approcher pour que je vois le phénomène se former. Et au moment où on me dit « Il faut partir », on part. On ne dit pas, on reste encore un peu. C'est heureusement. Heureusement. Et justement, en parcourant les deux livres, vous parlez justement de cette puissance de la nature. Et quand on se retrouve dans le fameux pique-nique, vous nous parlez justement de ces petites butineuses qui vont polliniser les fleurs, qui vont nous donner des fruits. Et dans l'autre livre, Mon tour du monde Mon tour de France des curiosités, vous partez aussi voir les pollinisateurs de vanille qui Absolument. Se fait à la main. Oui. Alors quand on remarque aujourd'hui, on va dire, la diminution de ces insectes qui sont importants, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Alors, évidemment, quand on s'arrête à un instant T, et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut s'inquiéter. Il se trouve que je suis d'un naturel optimiste. Je crois en l'homme. Je crois dans l'intelligence humaine. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons toujours réussi à franchir les obstacles. Alors vous allez me dire, oui, mais cet excès de confiance peut nous amener à faire des bêtises. C'est vrai.
Mais il y a deux solutions. Ou bien on se dit, c'est foutu, on baisse les bras. Ou on se dit, bah non, on peut encore faire. On peut encore trouver des solutions. Parce qu'il ne faut pas croire que... On a trop tendance parfois à penser que aujourd'hui on sait tout, on a tout trouvé. Non. On a encore beaucoup de choses à découvrir. On a beaucoup de jeunes, j'en ai vu aujourd'hui, j'en vois à chaque fois que je fais une signature, qui sont en fac, qui vont devenir chercheurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs dont le travail consiste à relever des défis. Relever des défis et faire en sorte que ce que nous, citoyens, nous voulons, eh bien, ils vont le réaliser. Parce que ça part toujours comme ça. C'est toujours une demande des citoyens qui fait que des ingénieurs vont trouver quelque chose qui répond à cette demande. La voiture a été inventée, cette voiture qui pollue tant, elle a malgré tout été inventée parce qu'à un moment donné, les citoyens avaient envie de se déplacer. Et des ingénieurs ont trouvé les solutions pour que nous nous déplacions. Les défis sont à chaque fois différents. Ce charbon que l'on critique aujourd'hui et qui est critiquable, puisque c'est la source, la première source d'émissions de CO2 sur la planète, c'est 40%, eh bien, ce charbon a malgré tout sauvé la forêt au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on produit de la fonte, un petit peu d'acier, on a besoin de charbon, mais de charbon de bois à l'époque. On ne connaît pas la houille. Et donc ce charbon de bois, on va le produire à partir de nos forêts. Et au XVIIIe siècle, l'Angleterre, les forêts anglaises sont totalement décimées. Les forêts françaises sont en passe de l'être. Il y a des périodes où on interdit la production de fonte ou d'acier parce que d'une part, on a besoin de l'eau des ruisseaux, parce qu'on utilise aussi à l'époque l'eau des rivières et des ruisseaux pour alimenter les soufflets, mais on interdit certaines coupes dans certains endroits pour protéger la forêt. La forêt est menacée à cette époque et c'est bien la découverte de cette houille qui va sauver la forêt. Donc vous voyez que je ne veux pas dire par là que... Attends, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Le charbon n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais à cette époque, dans un contexte, les contextes sont toujours différents. Pour cette raison, tout à l'heure, je vous parlais de le contexte est toujours important. Et c'est ces contextes que j'aime expliquer. Je veux replacer à chaque fois le lecteur ou le téléspectateur dans le contexte de l'utilisation d'une technique ou de la découverte. Donc, ce que je raconte par là, c'est que ce charbon, à la fin du XVIIIe siècle, ce charbon de terre, cette houille, va sauver nos forêts. Eh bien, j'ai la faiblesse de penser que demain, nous trouverons des solutions. Elles existent, ces solutions. Maintenant, il faut qu'elles prennent une dimension plus industrielle, entre guillemets, pour qu'elles puissent répondre à nos demandes. Oui, mais c'est aussi par rapport à la disparition du vivant. Ah oui. Alors, excusez-moi, vous voyez, juste... C'est par rapport à la... Ouais. Non, mais... Vous parliez des abeilles. Voilà, ouais, c'est ça. La disparition du vivant. Parce qu'une fois que le vivant a disparu, on ne peut plus rien faire. Alors, effectivement, et c'est marrant que vous ayez fait le parallèle entre ces abeilles, ces insectes pollinisateurs, dont on commence à mesurer le rôle. Alors dans ces insectes pollinisateurs, on pense bien sûr aux abeilles, on pense aux abeilles domestiques, celles qui font du miel, mais il y a aussi une multitude de variétés d'abeilles sauvages. Il y a près de 2000 espèces d'abeilles sauvages en Europe. Ce sont elles qui font le gros du boulot. Et quand on parle des abeilles sauvages, il y a aussi d'autres insectes pollinisateurs. Il y a des papillons qui pollinisent, il y a même des mouches. Voilà, quand vous mangez du chocolat, sachez que la fleur du cacaoyer est pollinisée par une petite mouche.
Voilà. Donc, les insectes pollinisateurs, il y en a une multitude. Et on voit bien ce qui se passe lorsque l'insecte pollinisateur manque. C'est ce qui se passe à La Réunion. C'est une histoire merveilleuse, cette histoire de la vanille. C'est-à-dire que la vanille... vous m'arrêtez, hein, je suis trop long. Le problème, c'est, vous voyez, c'est des histoires de... On tire sur un fil et puis sur un tiroir. C'est des histoires à tiroir. La vanille est une plante qui est originaire d'Amérique centrale. Que les Mayas, les Aztèques consommaient, que les Européens découvrent en même temps qu'ils découvrent le cacao et d'autres plantes exotiques et d'autres plantes du Nouveau Monde. Donc on découvre la vanille. Et de la même manière qu'on a importé des plantes d'Amérique en Europe et que ces plantes ont réussi à se reproduire, se sont acclimatées sur le territoire européen, bon, on se dit il va se passer la même chose avec la vanille. Donc on ramène des plantes de vanille, on les plante dans toutes les serres royales de l'époque. Les lianes de vanille poussent, elles font des fleurs, mais ne font pas de fruits. Alors on essaie dans les serres royales, c'est ce que je vous disais, et puis on se dit, bah, peut-être que c'est une histoire de climat. Alors bon, comme on commence à avoir des colonies dans les zones tropicales, on transporte ces plants de vanille sur les zones tropicales. Même chose, la vanille pousse, elle fait des fleurs, mais elle ne produit pas de gousses. Et il va falloir un certain temps pour comprendre, il va falloir attendre le milieu du 19e siècle, un petit peu avant, pour comprendre qu'en fait, l'abeille, c'est une abeille qui pollinise donc cette fleur de vanille, et que cette abeille, qui porte un très joli nom, la mélipone, c'est une petite abeille, eh bien, elle vit en Amérique centrale, mais elle ne vit pas ailleurs. Donc là où cette abeille est absente, eh bien, si on veut avoir des gousses de vanille, la pollinisation doit s'effectuer à la main. Alors, il y a une très belle histoire autour de cette pollinisation, parce que c'est un jeune esclave sur l'île de La Réunion qui a réussi cette opération pour la première fois, Edmond Albius. Et donc, c'est lui qui a réussi à faire cette opération pour la première fois, qui sera ensuite copié par tous les planteurs. Alors, c'est une belle histoire qui est aussi un peu triste, parce que ce pauvre Edmond Albius, eh bien, le jour où l'esclavage va être aboli, eh bien, il va retrouver, ou trouver, parce qu'il ne l'avait jamais eu, sa liberté. Mais aucun planteur ne le rémunérera pour sa découverte, puisque c'est lui qui avait réussi la première pollinisation. Aucun planteur ne le rémunérera. Or, la vanille, vous le savez, est une épice qui se vend extrêmement cher sur les marchés. La France a été, justement, grâce à Edmond Albius et grâce à La Réunion, le premier producteur mondial dans les années 1870. Ceci grâce à Edmond Albius, qui ne touchera pas un centime pour sa découverte et qui mourra dans le dénuement le plus complet. Voilà. Oui, là, vous parlez de l'autre bout de la planète. Vous voyez les tiroirs? Oui. C'est compliqué. Hein. Vous me suivez? Ça va? Justement, là, on va ouvrir un nouveau tiroir. Dans votre livre, Le Tour de France de Jamy, hein, Le Tour de France des curiosités, vous nous faites l'honneur de parler de notre région, de son fleuve qui le parcourt et de son histoire. Pourquoi ce choix plutôt que, je dirais, la formation de la potasse ou alors la fermentation de la choucroute? Ça aurait pu. Non, mais... Complètement, parce que ça faisait partie des sujets qui me... Quand vous parlez de la fermentation de la choucroute, c'est un sujet que je trouve extraordinaire. Même tout ce qui est la fermentation. Je désespère pas un jour d'écrire un livre sur la fermentation, parce que c'est un phénomène fabuleux. La fermentation, vous parlez de la choucroute, vous parlez du vin, mais vous
parlez de vous parlez de la femme de la vanille, vous parlez du café, vous parlez du chocolat. C'est extraordinaire la fermentation. Vous parlez du fromage, vous parlez des caves. C'est vous parlez du pétrole, vous parlez du charbon avec la fermentation. C'est un phénomène naturel extraordinaire. Il y a une histoire fabuleuse à écrire. Donc voilà, je travaille. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas parlé de la fermentation du chou. Pourquoi le Rhin ? Parce que ce fleuve est majestueux, parce qu'il est frontalier, parce qu'il sépare plusieurs territoires, parce qu'il a été indomptable, parce que les hommes ont cherché à le dompter, ont cru l'avoir dompté, et puis se sont rendus compte que ben non, ça ne marchait pas, et qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois. Parce que ce fleuve, en se promenant, se jouait des frontières et déplaçait, finalement, la frontière se déplaçait à son rythme. Voilà. Et là, j'avais une belle histoire. Et que ce fleuve est un fournisseur d'énergie extraordinaire. Donc, voilà, je préférais, dans un premier temps, raconter l'histoire de ce fleuve plutôt que l'histoire de la fermentation du chou. Merci. Ensuite, une dernière petite question. Et puis après, peut-être qu'il y aura des questions dans le public. Voilà, voilà. C'est en fait une collègue de travail qui m'a demandé de vous demander comment va Marcel. Ah. Voilà. Il va bien. Il va très bien, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite en 2013. Oui. Voilà. Et on se téléphone de temps en temps parce que Marcel existait. Les gens disent, mais Marcel, est-ce qu'il existe ? Il existait. Il existait, voilà. C'est, physiquement, c'est quelqu'un qui était plutôt dans le calibre Gérard Depardieu. Voilà. Et voilà, c'était notre Marcel. Voilà. Et il va bien. Est-ce que la réponse vous convient ? Ah, c'est très bien. Voilà. Je lui répéterai. Donc, mais... Y a-t-il des questions ? Oui. Jeune homme. Alors, je répétais la question. Depuis quand je m'intéresse à la science ? Depuis les débuts de C'est pas sorcier. En fait, quand on a créé C'est pas sorcier avec Fred... On travaillait déjà, moi je travaillais déjà un petit peu avec lui sur une émission scientifique qui s'appelait Fractal, qui était une émission assez classique. Il y avait des reportages et puis un plateau avec un invité à qui on posait des questions. Et à la fin de chaque émission, quand on discutait avec Fred, on se disait mais qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on va retenir de cette émission ? Et très souvent, eh bien, on ne savait pas quoi dire. Et on disait, ben, on ne sait pas mieux comment se déplace un sous-marin, on ne sait pas mieux comment fonctionne un volcan, on ne sait pas mieux comment fonctionne la lumière, ce que c'est que le son, etc. Et petit à petit, comme ça, en se posant ces questions, on a... dessiner les contours d'une émission pédagogique de science idéale telle qu'on aimerait la faire. Et puis, tu sais, dans la vie, il y a toujours des circonstances. On a écrit ça, et au moment où on l'écrivait, la chaîne de télévision France 3 cherchait un programme de science pédagogique. Et je vous promets, ça s'est réellement passé comme ça. Donc, on a peaufiné notre histoire avec Fred. On a imaginé ce programme qui serait présenté par deux personnes. On ne pensait absolument pas à nous. Nous sommes allés présenter ce projet à un directeur des programmes qui l'a lu, qui l'a trouvé très bien. Et il nous a dit, non, ce n'est pas un tel et un tel qui vont le présenter. C'est vous parce que vous en parlez très bien. Voilà. Et l'histoire a commencé comme ça. Alors au début, moi je pensais que ça durerait un ou deux ans, pas plus.
j'aimais pas vraiment la science. La première émission, je l'ai écrite, Fred écrivait la deuxième. La première émission était une émission sur le son. Tu vas comprendre pourquoi je continue un petit peu l'histoire. Le son. C'est quoi le son ? J'étais pas scientifique, je l'ignorais. Alors, je suis allé rencontrer ceux qui travaillent avec le son. Des ingénieurs du son, des musiciens. Alors, ils me parlaient de fréquences, de choses. Je n'arrivais absolument pas à conceptualiser ce que c'était le son. Conceptualiser, c'est-à-dire pouvoir imaginer concrètement ce qu'est cette espèce de chose qui part du micro et de ma bouche, qui se répand dans cette salle et qui va jusqu'à tes oreilles. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis j'ai rencontré un acousticien, un expert du son, qui m'a dit « je vais te montrer le son ». Alors on s'est installé dans une salle avec deux énormes timbales qui ressemblaient à des instruments de musique, qui ressemblaient à ces deux tables à peu près. On les a séparées d'une dizaine de mètres. Il a déposé sur l'une d'elles des petites billes de polystyrène. Et puis il m'a dit « maintenant, écoute et regarde ». Il est allé sur l'autre timbale, il a tapé et j'ai vu les billes de polystyrène sauter. Et il me dit « tu as vu le son ». Et là, j'ai compris. Le son, c'est une vibration. C'est de l'air qui vibre. C'est-à-dire qu'entre toi et moi, il y a de l'air constitué de molécules. Il y a de l'oxygène, il y a de l'azote. Ces molécules, au moment où je parle, eh bien, s'entrechoquent les unes les autres. Et elles s'entrechoquent jusqu'à tes tympans et elles font vibrer ton tympan. Eh bien, c'est ça le son. Et c'est cette vibration qui partait de la première membrane qui vibrait, qui se transmettait, qui faisait vibrer la deuxième membrane et qui faisait vibrer, qui faisait sautiller mes billes de polystyrène. Et là, d'un seul coup, je suis tombé amoureux des sciences. Parce que d'un seul coup, j'ai compris que la science pouvait me montrer cet envers du décor dont je vous parlais tout à l'heure. D'un seul coup, je voyais l'invisible. D'un seul coup, je pouvais comprendre ce qui se passait autour de moi. Pas l'admettre, mais le comprendre. Pouvoir argumenter. Et ça devenait très journalistique, tout cela. Parce que fait le journaliste ? Le journaliste, il apporte des informations et il les étaye, il argumente. Et bien là, je réunissais tout. J'avais un exercice qui me permettait de faire mon métier de journaliste et en plus, je me faisais plaisir parce que je découvrais l'envers du décor. Ça a commencé comme ça et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Jamais, jamais. À chaque fois que je fais une émission, je découvre toujours quelque chose et ce quelque chose m'enthousiasme toujours. Une question dans le fond. Surtout si je n'ai pas bien répondu, vous me relancez. Vous avez fait combien d'émissions ? Alors, des C'est pas sorcier, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 560. Voilà. J'ai fait 560 C'est pas sorcier, mais il y a eu d'autres émissions. Il y a eu une émission, je ne sais pas si vous en souvenez, qui s'appelait Incroyable expérience, qui était une émission très drôle, voilà, où on parlait beaucoup de science aussi, même si c'était un divertissement. Il y a eu une émission qui s'appelait Quelle aventure. Il y a eu et il y a aujourd'hui, j'en oublie sûrement quelques-unes, mais et puis il y a aujourd'hui Le Monde de Jamy. Voilà. Mais
Il y a... Pourquoi vous avez changé, vous êtes passé de C'est pas sorcier au monde de Jamie? Ah, c'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs réponses. Je crois que ce qu'il faut savoir, parce que je pense que tu n'es pas le seul à te poser cette question. Une émission, elle est faite pour naître et pour mourir. On ne s'accapare pas un temps d'antenne pour toute sa vie. C'est une émission de 26 minutes. Elle a vu le jour en 1994 et elle s'est arrêtée en 2013. Elle a duré 19 ans, 560 émissions. C'est déjà quelque chose de très bien, 19 ans. Mais à un moment donné, elle doit s'arrêter. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais à un moment donné, elle doit s'arrêter. Quand C'est pas sorcier s'est arrêté, on a cherché à lutter un petit peu avec Fred. On s'est dit, mais pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça ne compte? Et puis, à un moment, on s'est rendu compte que non, on ne réussirait pas à faire changer d'avis, qu'il fallait passer à autre chose. Et parfois, il faut passer à autre chose. Tu vois, quelque chose se termine et on enclenche sur autre chose. Et parfois, ça nous fait du bien aussi. Parce que 560, c'est pas sorcier. Évidemment, j'y prenais toujours du plaisir. Sauf que ça devenait un petit peu la routine. C'est-à-dire que pour fabriquer 30 émissions dans une année, eh bien, il faut s'instaurer une discipline. C'est la fabrication de l'émission devient extrêmement rationnelle. C'est-à-dire que le 1er janvier, je sais exactement ce que je vais faire le 31 décembre suivant. Voilà. Tout était extrêmement, je vous l'ai dit, calibré et quand ça s'arrête, eh bien, même si c'est dur, on peut aussi se dire on va aller faire autre chose. Il y avait des questions juste derrière le... Ah ben, vous voyez. Quelle sensation vous avez vécue en faisant ce vol à 0G et surtout si vous voudriez le refaire? Alors, le refaire, évidemment. Évidemment, je voudrais le refaire. Ce qui est fabuleux dans un vol 0G, pas 0G, vous avez eu le lapsus. Vous avez dit quelle sensation? Ben justement, le plus extraordinaire, c'est l'absence de sensation. Quand je dis l'absence de sensation, depuis le jour où vous êtes né, chacun d'entre nous, depuis le jour de notre naissance, et même un peu avant, mais ça on ne s'en souvient pas, nous vivons avec la pesanteur. Nous vivons avec la sensation de la gravité. On ne s'en aperçoit pas, mais votre main, tendez votre main, elle pèse quelque chose. Vous êtes obligé de faire bosser vos muscles pour retenir votre main. Tous nos gestes. Pour tenir ce micro, je fais bosser mes muscles parce qu'il y a la gravité. Quand vous vous retrouvez en impesanteur, eh bien tout ça s'arrête. Il n'y a plus de gravité. Donc, vous ne sentez plus votre corps. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Alors, qui est très difficile à communiquer puisque ne le comprennent que ceux qui l'ont vécu. Alors on cherche des images. Moi, la plus belle image que j'ai trouvée, c'est comme si je n'étais plus qu'une conscience qui flottait. C'est exactement... Enfin, voilà. C'est extrêmement complexe à décrire, mais c'est comme si on... C'est pas comme si on ne ressent plus le poids de son corps. Son corps n'existe plus. On voit son bras qui s'en va comme ça. Et on ne comprend pas. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire pour le faire revenir. Quand on voit les images
des spationautes, quand on voit les images de Thomas Pesquet qui est dans la station, qui est en train de travailler, qui écrit, on a l'impression que c'est d'une simplicité enfantine. Mais c'est extrêmement complexe. Moi, j'ai essayé d'écrire mon nom en impesanteur, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que mes doigts sont habitués à écrire sur terre avec cette pesanteur, cette gravité de 1G. Mais à 0G, ils ne savent plus faire. Il faut réapprendre. Vous voyez ? Donc, c'est une sensation complètement, complètement nouvelle. C'était lequel votre thème de C'est pas sorcier préféré ? Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Déjà, j'ai toujours pris du plaisir. Dans chaque émission, je suis incapable de vous donner le titre d'une émission ou une thématique où je me suis ennuyé. Ça n'est jamais arrivé. En revanche, il y a des sujets qui, avec le temps, m'ont plu plus que d'autres. Et en l'occurrence, c'est ce thème de la volcanologie. Mais parce que j'ai aussi eu de la chance, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'avoir vu cette émission sur les volcans, sur l'Etna. Est-ce que vous avez vu cette émission ? Voilà. Alors, on me voit dans le camion. En fait, quand on faisait des émissions comme ça, je me glissais dans les bagages et je partais avec Fred. Quand on a fait cette émission sur l'Etna, ça faisait pas mal d'années que l'Etna était silencieux. Je crois que c'est la précédente éruption datait de 1976, me semble-t-il, et on était en 2000. Et quand on est arrivé sur l'Etna, on est monté sur le volcan, on est allé vraiment sur le bord du cratère, on entendait le volcan rugir, on entendait les jets de lave qui montaient dans la cheminée et qui retombaient ensuite. Ça, c'était le dimanche matin. Et le lendemain, on était avec des volcanologues qui analysaient un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du cratère. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les volcans comme l'Etna sont sous haute surveillance et on essaie d'anticiper ce qui va se passer. Et pour anticiper ce qui va se passer, eh bien, on étudie les mouvements du sol, mais on regarde aussi ce qu'il y a dans les fumées qui sortent du volcan. On fait ce qu'on appelle une spectrométrie. Et à travers la lumière, on utilise la lumière du soleil. Et en fonction de la lumière qui passe à travers, eh bien, on parvient à savoir quelle densité de tel ou tel gaz il y a à l'intérieur du volcan. Et en fonction, enfin, qui sort du cratère. Et en fonction de ce qu'il y a dans ces fumées, eh bien, on peut prédire si le volcan est sur le point d'entrer en éruption ou pas. Et l'un de ces volcanologues me dit, à mon avis, l'Etna va entrer en éruption assez rapidement. Et puis, on continue à discuter et il précise. Je te le raconte là en deux minutes, mais ça dure un petit peu. Et il me dit dans les semaines. Et puis au fil de la discussion, il me dit dans les jours. Et puis avant de partir, il me dit vous éloignez pas trop parce que ça pourrait se passer cette nuit. Et donc, on décide avec Fred de faire traîner le tournage. Donc on s'arrête dans un restaurant le soir et on fait traîner. Et un peu avant minuit, le volcanologue m'envoie un petit message et il me dit « ça y est, ça démarre ». Et donc il est passé nous récupérer et on est parti avec lui. On s'est positionné au pied du cratère. On était à peu près à, il faut imaginer un cône qui fait 500 mètres de hauteur.
On était à environ 500 mètres. Les vents étaient du bon côté. Donc, ils partaient dans le sens opposé à celui où nous étions. Et on a vu la lave commencer à jaillir. Au début, c'était des blocs qui sortaient, comme ça, un peu comme un feu d'artifice. Et puis, l'activité accélérait, augmentait, et ça a duré toute la nuit. Et il y a un moment qu'on appelle le paroxysme de l'éruption, où elle est la plus intense. Il y avait un jet de lave qui mesurait 300 à 400 mètres de hauteur. Donc, il faisait à peu près la hauteur du cratère. Nous-mêmes, nous étions à peu près à la même distance. On sentait la chaleur, on sentait l'odeur du volcan. Il y avait le son du volcan. C'était quelque chose de merveilleux. Voilà. Et j'ai été fasciné par ce spectacle. Mais littéralement fasciné. Et bien depuis, voilà, je suis un peu tombé amoureux des volcans. Bonsoir Jamy. Bonsoir. Alors, je voulais savoir, mis à part la fermentation, qui est en fait passionnant quand vous en parlez, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez découvrir là maintenant ? Mais je ne peux pas te dire quel sujet j'aimerais découvrir, parce que c'est justement en travaillant sur un sujet que l'on découvre, un sujet que l'on veut approfondir. Là, à l'instant T, non, je ne peux pas te dire. En revanche, si je me mets à travailler sur un sujet, là, sûrement que je vais avoir envie de découvrir en grattant. Les idées ne viennent pas toutes seules. On n'est pas comme ça dans son bureau ou chez soi en train de se dire « Ah tiens, hop, j'aimerais parler de ça ». Non. Ça ne marche jamais comme ça. On se dit, tiens, on va faire une émission sur tel sujet. Alors, on a quelques idées. Et puis, on commence à gratter et on se dit, oula, ah, mais ça devient vraiment très intéressant. Et c'est en travaillant, en grattant un sujet, qu'on va trouver des angles qui vont nous permettre d'apprendre des choses, d'en apprendre un peu plus que ce que l'on sait déjà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est plus une question sur le processus de réflexion qui m'amène à aller vers le savoir, vers la connaissance. Quel endroit vous voudriez visiter sur Terre bientôt ? Alors, j'ai envie de te dire, alors quel endroit je vais visiter bientôt ? Il est prévu que je retourne, on parlait des volcans, que je retourne à La Réunion prochainement pour plonger avec des dauphins et des requins. Ça, c'est une... Voilà, je vais retourner sur un volcan au Costa Rica. Mais on a des rêves. Moi, mon rêve, c'est d'aller au pôle Nord et au pôle Sud. C'est un rêve. Je ne sais pas si je le réaliserai un jour. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a dans la vie, on a on se fixe des objectifs. Tu vois. Et j'aimerais bien un jour, voilà, arriver au pôle Nord. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se réalisera, mais voilà. Il faut avoir des rêves. Ouais, Fred. À cette heure-ci, je pense qu'il est chez lui. Voilà, peut-être avec des copains, en train de prendre une bière, écouter de la musique. Voilà. euh,
Que devient Fred? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, si vous savez? Alors, Fred, il a monté une plateforme sur le web qui s'appelle Sorcier, l'Esprit Sorcier. Et donc, il fait toujours lui aussi de la science, de la pédagogie. Donc, à travers des émissions que tu peux suivre sur le web, sur cette plateforme qui s'appelle l'Esprit Sorcier. Il y en a partout. Je reviens juste vers madame quelques instants. Bonjour Jamy. Bonjour. Est-ce que vous n'avez jamais eu d'appréhension à traiter un sujet? Par exemple, je pense à l'émission sur les petites bêtes, enfin d'être confronté parfois à certaines choses qui nous rebutent. Alors on a des phobies, j'en ai une. Alors ces fameuses petites bêtes, moi non, elles me dérangent pas. Voilà, je suis même pour tout vous dire, j'aime plutôt les araignées. Donc voilà, ça me dérange pas. Il m'est arrivé de prendre une mygale comme ça et de la poser sur mon bras, ça ne me dérange absolument pas. En revanche, j'ai un peu plus de problèmes avec certains rongeurs. Voilà. Elle est devenue quoi, Sabine ? Alors, Sabine travaille toujours à la télévision. Elle travaille pour la chaîne de télévision France O, pour laquelle elle anime des débats. Et puis, elle a écrit un spectacle aussi sur la musique classique. Et donc, c'est un spectacle qui tourne en France. Voilà, peut-être qu'elle passera par Strasbourg ou par un endroit où vous êtes, voilà, où elle explique comment fonctionne un orchestre symphonique. Alors, ça sera la dernière question pour ce soir. Bonjour, Jamy. Vous faites pleurer les enfants, là. Pleurer déjà avant. Alors, j'aimerais savoir ce qui vous a donné envie pour la première fois de partager votre désir des découvertes. Le plaisir que j'y prends. Et que la première chose, c'est de prendre du plaisir, de se réjouir de la compréhension d'un phénomène. Et c'est quelque chose qui me guide. En permanence, je ne peux pas me... J'aime transmettre. Je veux que ce soit clair, mais quand je le dis ou quand je l'écris, je veux réussir aussi à transmettre le plaisir que j'ai eu à comprendre quelque chose. Je veux générer chez celui qui me lit ou qui m'entend le même enthousiasme que celui que j'ai eu en comprenant. Voilà, nous vous remercions d'être venus si nombreux. Merci. Merci beaucoup. J'ai peut-être été un peu confus par moment, mais c'est compliqué. Non, c'est pas. C'est je signe depuis ce matin et voilà, je parle beaucoup, j'échange. Et il y a un moment donné où les neurones ont un peu de mal. Alors j'espère que vous aurez malgré tout pu suivre ce que j'ai essayé de vous dire. Voilà, merci.